Quel voyage! Eh, tu veux dire le voyage de Captain Popole? Ah oui, c'est vrai, désolé. Maintenant, commençons par parler du moussaillon. L'auteur Florence. Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse. Maintenant, commençons par parler de l'auteur Alain Rimbaud. Alain Rimbaud est né à Paris le 28 janvier 1966. Il écrit des romans jeunesse pour les recueils de poésie comme des haïkus et des romans pour adultes. Jean-Paul Haine est l'illustrateur de ce livre. Il est né au Liban et a immigré au Québec à l'âge de 3 ans. Collaborateur pour de nombreuses revues, dont le Titanic et les Débrouillards. Maintenant, parlons du bateau d'édition. La maison d'édition Florence. Moi, oui, t'as raison. Maintenant, parlons de la maison d'édition Urtubis. À ses débuts, la maison se consacrait notamment à l'édition littéraire et scolaire. Ils ont même créé une collection qui s'appelle Constance. Et si je me souviens bien, elle a été créée en 1961. Ce roman a 80 pages. Il a paru en avril 2008. Tout en parlant le François, Capitaine Popole et ses moussaillons vont faire un long voyage en mer. Ils vont nous expliquer leur voyage en grand détail. Pendant leurs aventures, ils vont rencontrer un homme étrange. Mais plein d'autres péripéties arriveront. Nous aurions aimé que le vocabulaire soit plus facile à comprendre. Mais nous avons par contre aimé les petits commentaires en noir. Comme voici. Nous recommandons ce livre à ceux qui aiment les aventures marines. Et à ceux qui aiment le langage ancien, comme le François. Finalement, nous décernons la médaille de bronze. Merci.